Écoutez-moi! Le point de rendez-vous est le talus en haut de la plage. Servez-vous de ces lignes de protection pour avancer. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint le talus. Sautez du bateau! Allez, allez! Soldats, nous y sommes! Restez pas immobiles et nous y arriverons! Compagnie Hebel, tenez-vous prêts! 3 secondes! 2! 1! Allez, allez, allez! Laissez-le! La compagnie Hebel est dispersée sur toute la plage. Nous devons atteindre le talus. Allez, échappez aux mitrailleuses. Mitrailleuse, à plat ventre et bougez plus. Ouais, on a eu
eu ces salopards. Allez, allez. Préparez-vous à charger cette section. Jean-moi. On y va. Prêt? Oui, chef. Il faut détruire ces canons de 88. Sergent, rassemblez vos hommes. Très bien, écoutez. Section 1, tenez-vous prêts. On prend des tirs de fusil! Passe de tir! Les frisés sont après nous! On essuie des tirs! Il faut dégager Dan Greg! Envoyez des hommes sur place! Éliminez tous les Allemands qui gardent l'accès! Au rapport, les gars du génie sont pilonnés par notre artillerie! Feu! Vous êtes des héros, les gars! Mission accomplie! Infanterie ennemie détruite! On va les massacrer! C'est ma base! Je les tire! Une promotion est envisageable! Les Allemands ont des renforts dans ces bunkers. Si on les fait sauter avec des explosifs, ce sera plus facile d'établir une tête de pont. Mais c'est du mal américain! Sie greifen die Geschützmannschaften an! Ok, ça devrait être bon. Il reste un canon de 88 à neutraliser. Tirez de l'obus là-dessus! Feu! Dans Grain, ouvert! Bien joué! La batterie ennemie est HS! Excellent travail, soldat. Sergent Conti. Informez le QG par radio que les blindés peuvent débarquer dans notre secteur. C'est moi. 700 hommes sont morts ce matin-là sur cette étroite bande de sable. 1500 autres ont été blessés. 300 ont disparu sous les flots. Pearson, Williams, Krasinski, tous de bons soldats. Au coucher du soleil, 156 000 soldats avaient atteint la côte. Le débarquement avait commencé. Ou, comme disait mon chef, l'enfer avait ouvert ses portes. La nuit d'avant, trois divisions de paras avaient sauté derrière les lignes ennemies au cours de la plus grande opération aéroportée de l'histoire. Leur objectif était de prendre les axes principaux et d'empêcher une contre-attaque qui compromettrait toute l'opération. Le succès du jour J dépendait entièrement de ces hommes. Hans, dein Fressen ist unter aller Kanone. Wird diesen Fraß nicht essen? Bin ich deine Mutter, Arschloch? Dann koch doch dein eigenes Fressen. Wir werden angegriffen!
grenade aveuglante. Est-ce que tout le monde est là, sergent? Pour l'instant, on est tous dispersés. Faire taire ce canon anti-aérien. On y va. Le canon est bien défendu. Williams, contournez-le par la droite, nous on passe au milieu. Si vous pouvez, utilisez des grenades. Allez, en route. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a plein d'autres dans le secteur. On va devoir s'en occuper. Notre objectif est de sécuriser cette zone. Les Allemands ont des batteries anti-aériennes à ces endroits. On doit les neutraliser pour permettre les parachutages dans ces zones. Tant qu'il restera des canons anti-aériens dans un secteur, il sera impossible d'y parachuter nos troupes. Ces positions stratégiques nous donneront aussi accès à des ressources. Il faut les prendre. Bien, soldats, vous avez entendu les ordres. On va capturer cette position et neutraliser la DCA. C'est bon! Construction achevée! Sur vos gardes! Cette route mène droit à notre tête de pont de Omaha Beach. Nous devons la contrôler pour que nos gars puissent débarquer. Et pour ça, il va falloir prendre ces positions stratégiques. Des patrouilles ennemies ont été repérées le long de cette route. Il nous faudra des armes lourdes pour les éliminer. Les photos aériennes montrent un dépôt d'armes allemand ici. On devrait y trouver des armes plus puissantes. Position. Les aigles fondent sur leur proie! Attrapez cette arme! Faut pas faire attendre les Boches! Attrapez cette arme! Quelles sont mes coordonnées? Para, prêt! Waouh! Unité ennemie détruite! La route est sécurisée. Réserve d'infanterie en route. Les renforts seront bien. Ah, des parachutistes. En avant, les gars. Un convoi de la 91e division de grenadiers arrive par cette route. On a pour mission de l'arrêter. Le convoi n'est qu'à quelques kilomètres. Alors on a peu de temps. Tendez une embuscade au convoi en utilisant le bunker. Et les canons anti-aériens. En installant des obstacles et des mines, on bloquera les Allemands où on veut.
Bien. Nos gars vont débarquer dans quelques heures. Il faut qu'on nettoie la route. À mon ordre. Sécurisé d'ici à Omaha Beach. J'espère que Abel appréciera ce qu'on a fait pour elle, chef. N'en doutez pas, sergent Carota. Aucun doute là-dessus. Les parachutistes étaient dispersés dans toutes les zones de largage. Des sections avaient été séparées. C'était le chaos. Certains des hommes ont mis 3 jours à retrouver les leurs. D'autres n'y sont jamais arrivés. Malgré tout, ils ont pris les Allemands par surprise et sécurisé toutes les routes des plages. Leur objectif suivant était la ville carrefour de 40 ans, qui reliait les plages d'Omaha et Utah. Il faut absolument prendre la ville de 40 ans pour empêcher l'axe de séparer les têtes de pont alliées. Nous nous approcherons par le nord et nous nous dirigerons vers le centre de la ville. L'église est notre premier objectif. Quand on l'aura prise, on y installera notre QG de campagne. Attendez-vous à ce que le 6e régiment de Fallschirmjäger défende la place farouchement. Quand nous l'aurons sécurisée, nous contrôlerons 40 ans. Je t'assure, les Yankees contre les Cubs. Premier match de la finale de 38. Lefty Gomez était le meilleur lanceur. Hey Lewis, toi aussi tu sais utiliser ton poignet? Bon, mais alors qui? Je sais pas, Ruffing peut-être. Ouais, c'est ça. Rien de plus convaincant. J'en sais rien, moi. Faudrait demander à mon frangin, c'est une encyclopédie vivante du baseball. Alors, ça doit être de famille, la connerie. Bien envoyé. Bon, fermez-la et déployez-vous. Et ouvrez bien l'œil, les gars. On entre en territoire ennemi. Couvre-moi! Oh, plantez-vous! Le bistro! À l'étage! Une mitrailleuse! On essuie des tirs d'armes légères! Sergent, informez le QG que la route de 40 ans est libre et qu'on entre dans la ville. Bon, l'église est notre objectif.
Si nos infos sont exactes, elle est défendue par des mitrailleuses. On peut s'attendre à rencontrer une forte résistance à ces endroits. Détruisez ces bâtiments avec des charges explosives ou des armes lourdes. On va utiliser les bâtiments pour couvrir notre progression et contourner les Allemands. Compris ? Quand on aura éliminé toute résistance et pris l'église, on y établira une caserne de campagne. Elle nous permettra d'appeler des renforts. N'oubliez pas, restez mobile et prenez l'église aussi vite que possible. À vos ordres ! À vos ordres ! Troupes aéroportées ! En avant, les paras ! Allez, tout le monde, en avance ! Prenez cette église ! Occupez cette église et au pas de course ! Section para prête à l'action. Allez, tout le monde, en avance ! On se retranche là-dedans. L'église est sécurisée. Section 1 dans l'église. Établissez une caserne de campagne. Caserne de campagne établie. Nouvelle force d'infanterie disponible. Les éléments du 6e régiment Fallschirmjäger se sont retranchés ici, au centre de 40 ans. Nous avons pour mission de les déloger de là et de prendre l'hôtel de ville. Les Allemands doivent nous attendre, alors la route principale sera sûrement défendue et fortifiée. Il faudra peut-être essayer de les prendre par le flanc. Avant d'attaquer, il nous faut des renforts. On manque de matériel pour l'instant, mais on peut arranger ça en prenant les positions stratégiques autour de l'église. Bonne chance. Gaspiller les munitions! La guerre est pas finie! Attends ton tour. Hein ? Je présume que c'est du jus de raisin, sergent. Tout à fait. Du jus de raisin. Enfin, c'en était il y a environ un an. La 17e division de Panzer-SS se mobilise pour reprendre 40 ans. Nous n'avons qu'un seul objectif ici. Tenir la ville. Ils ont besoin des ponts, nous allons les défendre. Des mitrailleuses, des mines et des barbelés à ces endroits devraient arrêter les Boches, pour un temps. Nous avons deux canons anti-chars de 57 mm pour couvrir les accès de la ville. Il faudra les défendre des casernes de campagne dans l'hôtel de ville et l'église. Au besoin, on pourra leur demander des renforts. On a repéré des positions stratégiques à ces endroits sur l'autre rive. Il faut les prendre. Les Fritz vont vouloir reprendre 40 ans. On va se retrancher pour les accueillir. Les améliorations de notre QG sont achevées.
véhicule de reconnaissance en position. Section en position! Ça s'agite à la limite de la ville. Canon anti-char prêt à tirer! Les voilà. Apportez ces munitions! Merde, ils ont des blindés! Stuks! Zieht auf die amerikanischen Stellungen! Wir werden die Stadt befreien! Treibt sie zurück! Allons-y, les gars! Montrez à ces enfoirés ce que les parents ont dans le ventre! Schussweite! Artillerieschlag wird eingeleitet! Barrage d'artillerie! On a du pain sur la planche, les gars! Thank you.
Hey, on dirait que la compagnie Hebel est enfin là. Il était temps, les gars. On commençait à croire que vous vous étiez perdus. Ouais, on a eu un petit contretemps sur la plage. On dirait que toute la compagnie Hebel est là. Baker et Doc sont à environ une heure d'ici. Les troupes des deux plages devraient se rejoindre d'ici la tombée de la nuit. On va avoir besoin de tout le matériel de la garde des dépôt. La première armée américaine marche vers le nord du Cotentin. Notre nouvel objectif est donc de sécuriser la voie de ravitaillement vers Cherbourg. L'opération a été baptisée Red Ball Express. Les compagnies Hebel et Dog suivront cette route aussi loin que possible pour la sécuriser. Durant la progression, nos flancs seront exposés. Le secteur est truffé de cours murés et de haies. Attendez-vous à des embuscades. Ici Hebel. Tenez bon, Bishop, on arrive. Préparez-vous, les gars, on y va. Écoutez, la Dog est tombée dans une embuscade. Bishop demande notre aide. Les survivants essuient des tirs nourris, on doit les tirer de là. Rassemblez un groupe de combat et allez-y. La Dog ne tiendra pas sans nous. Campagne alliée se trouve ici. Établissez une base d'opération et demandez des renforts. Très bien, Hebel. Le QG nous demande de sécuriser la route de Cherbourg. Au moins une de ces deux routes doit être sécurisée. Il faudra donc avancer et établir des défenses pour couvrir le Red Ball Express. Utilisez des soldats du génie pour développer la base et demander d'autres renforts. Sans cette route, le Red Ball Express n'ira nulle part. Allez, au boulot. Continuez à avancer, sapeurs. On a pris et sécurisé le carrefour. Désormais, ceci est une route militaire. Aucun Boche ne doit l'emprunter. Il va falloir la défendre, les gars. Compagnie Hebel, les premiers éléments du Red Ball Express arrivent. Le convoi se rassemblera ici avant de pousser vers Cherbourg. On doit protéger ces camions coûte que coûte. Ce convoi doit passer. C'est de la plus haute importance. Je sais que je peux compter sur vous. Vous avez entendu le capitaine ? Les Fritz doivent pas toucher au Red Ball Express. Vous voulez quoi ? On a du pain sur la planche. Bien reçu. On repart sérieusement ici.
maintenant. Tout le monde est là. Trouvons-nous un véhicule et en avant. Tout va bien, lieutenant? Ça va, Conti, vous inquiétez pas. On y va. Qu'on envoie au casse-pipe. Non, Johnson. C'est juste toi qu'on envoie au casse-pipe. La ferme. Tu vas tous nous faire buter. Cherbourg est encerclé. Ils le savent, on le sait, mais la division Bosch ne veut pas se rendre. L'USS Texas attend au large pour nous appuyer. Pour lui permettre d'approcher à portée de tir, on va devoir détruire la batterie côtière située ici. Mais avant, il faut qu'on prenne cette place pour que les gars du génie puissent établir une base d'opération avancée. Le régiment veut qu'on sécurise la place pour qu'on puisse y établir notre base. Ne perdons pas de temps. On les a massacrés. Unité ennemie détruite. Compagnie Hebel, il faut qu'on pousse plus loin pour neutraliser cette batterie côtière. La batterie côtière est notre prochain objectif. Continuez d'avancer, Compagnie Hebel. La 30e division allemande est sur ses talons. On va devoir rouler à fond de train jusqu'à leur garnison principale au port et la détruire. Si on veut que les Bosch se rendent, il faut détruire leur poste de commandement. Il faut qu'on anéantisse tout le complexe de leur QG. Prêt à passer à l'action. Ouvrez l'œil en avançant. En vitesse, soldat. Rassemblement. Sapeur, j'ai dit on marche. C'est valable pour toi, Johnson. Les lignes de ravitaillement avancées sont coupées. Message reçu.
peuvent plus aller nulle part. Ils sont pris entre le marteau et l'enclume maintenant. Continue. Allez, on y va. La guerre est finie pour vous, les Fritz. En avant. Sergent Conti, le QG a une mission spéciale pour nous. Allons-y. Qu'on a fait 40 000 prisonniers allemands à Cherbourg. Malheureusement, tout ce qu'on a eu en retour de nos efforts, c'était un port en ruine. Les Allemands avaient fait tellement de dégâts qu'il nous faudrait des mois pour le remettre en état. Mais la prise de la ville a eu des bons côtés. Dans un bunker, on a trouvé des documents secrets nazis. Voici les schémas d'une fusée V2 ennemie. La base de lancement est cachée dans une vallée au sud, près de Sottevast. Elle s'enfonce apparemment dans la colline, mais elle n'est pas achevée. La plateforme de lancement est bien défendue et tout bombardement est à exclure. Nous allons donc mener une opération aéroportée. Des parachutistes atterriront pendant la nuit dans l'enceinte de la base et attaqueront la plateforme à pied. Ce sera une mission très périlleuse. Bonne chance. Notre premier objectif est la plateforme de lancement située ici. À l'aide d'explosifs, nous provoquerons une réaction en chaîne qui détruira toute la base. La base est protégée par des canons anti-aériens qui réduisent nos possibilités de parachutage. Vous les détruirez en priorité pour dégager l'espace aérien. Pour assurer nos voies de ravitaillement, un deuxième groupe attaquera ici, à l'entrée principale. Cette fois, nous n'aurons pas de base d'opération. Nous devrons attaquer les dépôts ennemis pour prendre des armes lourdes. En avant, messieurs. Vous avez entendu le capitaine? On doit détruire cette plateforme de lancement! Nous avons regarni leur rang en arrière. Oui, chef. Si nous prenons l'entrée, nous pourrons recevoir du ravitaillement. Plus nous tiendrons longtemps la ligne de ravitaillement, plus nous laisserons de temps à Abel pour nous envoyer des renforts. Allez, en avant, et prenez cette position stratégique! Avec moi, les gars! Si l'équipe de construction, on a terminé! Plus personne ne défend l'entrée! Attention les gars! Il nous tire dessus! Bien, Jean! Avant d'être posé, quoi te concerne? Il y a plus de renforts disponibles sur cette attaque! Vous allez devoir vous débrouiller seul! Éliminé. 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 É
dégâts. On est de nouveau au complet. Section, en avant. Ils vont être attaqués. On met les gaz. C'était inquiétant de voir l'avancée de la machine de guerre allemande. Noga était plutôt doué aussi, mais on n'avait rien de tel. Cherbourg est à nous, mais le commandement suprême allié nous a trouvé un nouvel objectif, la ville de Saint-Lô. Nous ne pouvons traverser la Vire qu'à un seul endroit, juste là. Malheureusement, nous avons très peu de renseignements sur cette zone. La compagnie Hebel attaquera à l'aube. C'est quoi ce bordel? Reculez! La 38e division de Panzergrenadier SS a détruit le seul pont menant à Saint-Froment. Notre division est bloquée. Ça va être aux hommes du génie de la compagnie Hebel de remettre ce pont en état. Quand le pont sera réparé, il faudra le protéger. Et pour ça, on devra déloger la 38e division ennemie de Saint-Froment. En contournant la ville, on devrait pouvoir acculer les Boches sur la place de la ville, ici. Ensuite, il n'y aura plus qu'à nettoyer la place. Et prendre cette position stratégique. Le pont de Saint-Promont est inutilisable. Il faut qu'on commence à le réparer. Cavalerie motorisée, prête à passer à l'action. Réparation du pont en cours. La compagnie Hebel contrôle Saint-Froment. Il y a d'importants mouvements de troupes dans cette zone. Et des lance-roquettes ont été repérés ici. La 38e division SS risque de contre-attaquer d'un moment à l'autre. L'ennemi ne doit pas prendre la place. On va y laisser des plumes, mais il faut à tout prix les repousser. Cette tête de pont est essentielle à notre progression.
contrôle la place. Les Allemands vont contre-attaquer. Ils ne doivent pas reprendre la place. On doit tenir bon, soldats. Il faut établir des défenses sur la place de la ville. Miner l'autre côté des routes et installer des pièges anti-chars. Placer des mitrailleuses dans les derniers bâtiments. Sécuriser les positions stratégiques à proximité. Pas de problème. Nous sommes prêts. Infanterie en avant! Canon de 57 mm à vos ordres. Continuez de tirer, unité anti-char déployée! Ils étaient de la main! Bien, les gars, on est entré en service. Du nerf, les gars! Canon de 57 mm à vos ordres. Faites avancer ce véhicule. À mon ordre! On est repérés! Et nous, canards! On est dans la mer. Blindé, prêt. Les pas. Notre moteur a pris un coup. Unité ennemie détruite. Les SS battent en retraite. Conti, évaluez nos PLT et informez le QG que la tête de pont est sous contrôle. On a fait notre boulot. On a perdu le contact avec la compagnie Charlie. Ils avaient ordre de prendre la colline 192. Ils ont échoué. On sait que la division d'élite Panzerleer a été chargée de défendre Saint-Lô. Le Panzer de l'As Joseph Günther Schulz a été repéré dans la zone. Avant de capturer Saint-Lô, Ebel va devoir prendre la colline 192. Qu'est-ce qui va pas, Franks? T'avais jamais vu un cadavre? Depuis trois jours, notre division essaie de prendre la colline 192, défendue par le 352e régiment de grenadiers ennemis. On va s'en charger. Les haies cachent de puissantes défenses. On va gravir la colline sous des tirs ennemis, alors surveillez bien vos flancs. Et ce n'est pas tout. Le 352e régiment reçoit des renforts de ces villes. Si on parvient à sécuriser ces zones, ils ne pourront plus attaquer notre ligne de progression. Ces deux routes seront sûrement bien défendues. Alors évitez-les au maximum. Prendre la colline 192 ne sera pas facile. La compagnie Charlie n'a pas réussi et s'est fait décimer. Maintenant, c'est à nous de jouer. Bonne chance, Ebel.
Retroussez vos manches, les gars, on a du pain sur la planche. Fusil, prêt! Transformons ce bâtiment en tas de ruines! Bâtiment achevé. Bien reçu! Les Allemands reçoivent des renforts d'ici sur leur flanc gauche! Je veux que vous me rasiez cette ville! On peut pas laisser des frites arrêter notre progression! Unité ennemie détruite! Sur le champ de bataille. On bouge! On va donner une bonne leçon! On va se couper! Maintenant que nous tenons la colline 192, nous allons pouvoir prendre Saint-Lô. D'après nos renseignements, la ville a déjà beaucoup souffert et les Allemands seront bien retranchés. Il y aura pas mal d'abris et d'obstacles sur le terrain. Le reste du 352e régiment ennemi a transformé Saint-Lô en forteresse. Le centre-ville est entouré de défenses. On a repéré des mitrailleuses, des canons anti-chars et des positions d'infanterie ainsi que des blindés de la division Panzerlehr. On a pour mission d'encercler le centre-ville. Si on bloque les Allemands, on les obligera à tenter une percée ou à se rendre. Dans les deux cas... ...gagne dans un de ses bâtiments proches. On va installer une caserne. Y a plus que des rats ici. C'est des boches. On se croirait dans une ville fantôme.
vaisseau à un cimetière. Fini de glander, on est rentré, on s'abrite. On arrive, contact ! En avant ! Les Allemands attaquent notre base. Notre base est à portée de l'artillerie ennemie. Ils continueront de nous pilonner tant qu'on n'aura pas neutralisé leur lance-roquettes. Le reste du 352e régiment ennemi a transformé Saint-Lô en forteresse. Le centre-ville est entouré de défenses. On a repéré des mitrailleuses, des canons anti-chars et des positions d'infanterie, ainsi que des blindés de la division Panzerlehr. On a pour mission d'encercler le centre-ville. Si on bloque les Allemands, on les obligera à tenter une percée ou à se rendre. Dans les deux cas, Hebel va avoir du pain sur la planche. Avant tout, il nous faut une base d'opération. Établissez une caserne de campagne dans un de ces bâtiments proches. Gagnez, les mets un peu plus le dos au mur. Unité ennemie détruite. Encerclé. Compagnie Hebel, arrêtez-vous et établissez un périmètre défensif. Il faut guetter tout mouvement de l'ennemi. On se met en mouvement, les gars. Lieutenant, vous devriez venir voir ça. Faudrait mieux appeler l'aviation. Ils iront pas loin. Dans la matinée, l'Air Force a bombardé et quasiment anéanti la division Panzerlehr. Les chars Panthers encore en état se replient. Hebel va les prendre en chasse avec l'appui de la 4e division de cavalerie. Pour contrer les blindés lourds Panthers, nous avons reçu des chasseurs de chars M10. Très bien. La Panzerlehr s'est fait botter le cul ce matin. Mais ces Panthers sont toujours opérationnels et restent une menace. Nos avions ont repéré les Panthers dans cette zone, donc ils doivent sûrement nous y attendre.
Les panthères ont une puissance de feu supérieure et ils profitent de l'effet de surprise. Alors soyez prudents. Quand on aura localisé les panthères, vous les attirerez avec les Sherman et l'infanterie, puis vous déploierez les chasseurs de chars M10 pour les contourner. Où a-t-on besoin de nous ? Nos M10 sont rapides et puissants, mais pas assez pour attaquer de front des panthères. Attaquez-les par derrière ou sur les côtés. Sapeur, paré. Faut descendre quelques boches. Vous avez besoin de la cavalerie ? Un tir sans poser de questions, compris ? Ok, on prend la position. Ennemis, ces salopards. Tire d'artillerie, à terre. Ici le Wolverine. Mets dans la ville. Cible engagée. On a subi des dégâts avec l'ennemi. On est sur les La zone n'est pas sécurisée. Établissez vite un périmètre défensif. Bien, Spencer. Conti, je voulais justement vous parler. Ziel, amerikanischer Offizier, 6-2-3-Grad. Feuern Sie, wenn Sie wollen.
Certains officiers ne gagnent jamais le respect de leurs hommes. Le capitaine Mackay avait le mien depuis mon premier jour au camp de Fort Riley, au Kansas. Je savais qu'il nous garderait en vie. La compagnie Able va être redéployée près des lignes de front à Mortain. Nous allons relever la compagnie Dog qui tient la colline 317. Le lieutenant Conti prend le commandement. Salut, Taggart. Hey, écoute, Conti, je suis désolé pour Mackay. On m'a dit que vous vous étiez rencontrés au camp d'entraînement au Kansas. Essayez de vous reposer un peu sur cette colline, ça devrait être du gâteau. Taggart, on y va. Franks, ce trou va pas se creuser tout seul. Ramenez vos fesses par ici. Bon, c'est pas compliqué. On doit tenir la colline 317 jusqu'à 6h30. Faut qu'on établisse un périmètre défensif. La Dog a placé des armes lourdes, mais personne n'occupe ses positions. On va y envoyer des sections. Quand on aura établi notre périmètre, on devra fortifier la ville de Mortain. C'est tout. La Dog arrivera à 6h30 avec des blindés et du café. Avec un peu de chance. Très bien, les gars. On y va, les gars. On y va, les gars, et baissez la tête. Écoutez bien. On a besoin d'un emplacement de mitrailleuse à cet endroit. Équipe d'armes de soutien prête. Parfait, j'aime pas rester statique. Quoi de neuf? Avec moi, en avant. Les poches nous prennent pour cible. Indiquez-moi la cible. C'est quoi la suite? Allez les gars! Ennemi détruit! Cible détruite! Je veux qu'il soit chauffé à blanc! Roger, très bien l'action! Allez! Les pistes des mitrailleurs arrivent! Baissez-vous! Indiquez-nous la cible! Renfort du bataillon prêt! Rogers prêt! Mon patron, soldat! Avec moi! Les prises attaquent votre colline, repoussez-les! Section allemande!
bloquer un passage, terminé. Bon, maintenant qu'on a des renforts, on va repousser les Boches de notre foutue colline. Si on réussit à prendre ces positions stratégiques, les Panzers seront obligés de se replier. Bon, assez parlé. On passe à l'action. Doug et Abel, vous avez bien glandé? Vous êtes reposés? J'espère que vous avez pris soin de votre colline. Doug, maniez-vous de poster ces putains de blindés! Les Boches vont pas vous attendre! Ici le crocodile! Les Boches sont du côté de l'abbaye. On va les coincer. Sherman en position. Prenez vos fusils. Wolverine en approche. À carburant. Confirmé. Notre objectif de victoire est menacé. Les Boches attaquent une position avancée. Les Boches nous pilotent comme des fous! On continue! On a une position à sécuriser! On va prendre cette position. Unité ennemie détruite. Le capitaine Schultz a survécu à la destruction de la division Panzerleur. D'après nos renseignements, ces tigres ont détruit 17 blindés alliés et anéanti la compagnie Baker. Là où ils sont postés, les tigres nous empêchent de couper la retraite allemande. Nous devons nous en occuper. Des colonnes de véhicules de la 2e division blindée s'enfuient par cette ville. D'après son dernier rapport, la compagnie Baker affrontait le groupe blindé de Schultz. Le tigre de cet as doit donc défendre la ville. Il faut qu'on l'élimine. Il doit être soutenu par des blindés lourds, alors ce sera pas facile de l'avoir. Si on réussit à tuer Schultz, les Boches seront foutus ici. Nom de Dieu! Essuie les tirs!
Section 2, vous prenez le flanc gauche. Et faites gaffe à vous. Section 1, avec moi. Hé, hey, c'est pas Schulz, le gars qui a tué le capitaine? Ouais, et il a pas failli vous tuer aussi, lieutenant? La ferme, Cunningham. Je la ferme, lieutenant. Bon, y a rien à voir ici, on repart. Ce Bosch était un coriace. Les 300 000 hommes de la 7e armée allemande battent en retraite. Notre objectif est de leur couper la route pour les empêcher de franchir le Rhin et d'établir une ligne défensive. Des troupes britanniques, canadiennes et polonaises arrivent par le nord. Des divisions américaines menées par la compagnie Ebel fermeront l'étau au sud. Nous contrôlons l'espace aérien, donc nous pouvons frapper les convois allemands à volonté. Tout ce que nous avons accompli depuis le jour J est en jeu. Si nous l'emportons, le sort de l'armée allemande sera scellé et nous aurons remporté la guerre en Europe. Convois de troupes de la 7e armée allemande se replient le long de ces routes. C'est leur dernière voie de repli. On doit la couper. Pour les bloquer, on doit relier notre territoire à celui des Canadiens et des Polonais au nord. Sécuriser ces ponts en progressant. Ça nous permettra de ralentir la retraite des Allemands. Ok, Ebel, cette fois c'est la bonne. Unité ennemie détruite.
Nos éclaireurs ont repéré des panzers qui approchent. Ils vont tenter de percer nos lignes. On a fermé la poche de falaise. Mais on s'en grillera une plus tard. On a encore du travail à faire. Il n'y a plus que ces panzers qui nous résistent. Si on les détruit, la 7e armée allemande sera anéantie. Wir müssen die Straßen frei halten! Ils attaquent une de nos positions avancées pour investir notre territoire. Ouais, je... Venez nous aider à libérer ce vin français. Content de vous voir, chef. Hey, pourquoi ils font la fête pendant qu'on se cogne ce sale boulot de merde? Du calme, Tagar. Laisse-les s'amuser, ils l'ont bien mérité. Et en plus, regarde tous les nouveaux amis que tu t'es fait. Il faut apprendre à mieux les connaître, c'est tout. Pourquoi t'en ramènes pas un peu à New York ?